Alors ça, Alexandra, c'est la première étape de notre parcours vers Roquelatour. Donc, tu vois, on a déjà un super beau paysage. C'est magnifique comme tout. Magnifique. Je vais éviter de faire une photo en bas, sinon mon téléphone il va mourir. Ben voilà. Alors, faut pas trop se pencher parce qu'on est quand même au bord du précipice, là, Ouais, tu c'est vois. pour ça, je me penche comme ça, mais il y a ça Voilà. là. Bon, moi un peu plus, tu vois. Et regarde-moi ça un peu, ces roches, avec cette forêt là. Faire une photo là. Franchement, ça vaut vraiment la peine. Hein. Et les petits oiseaux qui chantent, t'entends? Bon alors ma chère Alexandra, nous voilà partis vers le site de Roquelatour. Hein, comme j'expliquais dans la vidéo tout à l'heure, on fait le trajet ce matin parce qu'il ne fait pas trop chaud pour le moment. Logiquement, on devrait avoir de l'orage cet après-midi, mais pour le moment, tout va bien. Donc, on charge à fond au niveau de l'énergie ce matin, on monte à Roquelatour, là où on fait une étape sur ce plateau-là. Et puis ce midi, on redescendra, on ira manger des frites chez notre pote, hein, et Quentin et Rose, là. Des bonnes frites. Parce qu'on peut manger, on mange pour 10 euros là-dedans, c'est magnifique. Et puis, il va falloir qu'on récupère ce midi toute l'énergie qu'on aura dépensée ce matin. Donc, à mon avis, c'est pour ça que j'ai dit à Quentin, avant de monter, fais chauffer les frites, et puis arrête de nous servir dans des assiettes. Alexandra, elle veut un saladier maintenant. Voilà, à tout à l'heure. Comment je vais faire pour rentrer? Les clés sont dans ma poche, tu devras descendre. Oh mince. Alors, deuxième étape de notre progression vers Roquelatour. Bon, là, c'est pas un plateau, mais ça permet de reprendre son souffle, parce que je ne sais pas si vous avez vu le village en bas, là. Ça monte, hein, les copains, hein, ça monte. Donc voilà, on s'est mis là et ma petite Alexandra a fait une série de photos avec son téléphone qui sont magnifiques. Je vous explique notre progression parce que ça vaut vraiment la peine. C'est vrai qu'on manque un peu de ciel bleu et de luminosité aujourd'hui, mais globalement, on n'a pas à se plaindre. La vie est belle, Alexandra. Ouais. Ah ben voilà, elle l'a dit. Bon voilà, ma chère Alexandra, nous sommes sur le site de Roquelatour. Après avoir monté les routes du paradis, t'as vu? Ouais. Nous voilà enfin là. On est à la mer. On est à la mer. J'ai emmené ta fille à la mer, ma chère Lucille. Tu vois, là, les rochers. Et puis c'est une mer qui est un peu verte. Hein. Et c'est une mer merveilleuse. Dame nature est très belle. Et puis il n'y a pas trop de soleil. On est bien. Voilà. Et puis bah, Alexandra va nous faire des belles photos. Là, on boit un coup. Montre-nous. Prendre la pierre, le paysage se complète. Mais oui, c'est pour ça que oui, c'est vrai que quand tu te. Là, je viens de faire pareil que toi, me baisser un peu au niveau de la pierre pour prendre l'arrière-plan, en fait, la forêt là-bas, ça fait aussi des photos magnifiques. Bon, c'est Ouais, vrai que j'aime bien faire ça, moi. toi, tu as une haute définition quand même sur ton téléphone, hein, par rapport à moi. Puis moi, je suis plus film qu'autre chose. Enfin, voilà, donc voilà où j'ai emmené ma petite fille Alexandra. Ce matin, pour voir ça valait la peine de se lever, hein, et dire qu'il y en a qui sont devant la télé ou la PS4 pendant ce temps-là. Chacun son truc, hein. On peut faire la PS4 dans la nature. Ce que j'aime bien, c'est quand j'entends les oiseaux chanter. Voilà où on est, mon Alexandra. On est dans la faille, là. Pas tombé. Qui c'est qui parle? Qui parle? Qui m'a parlé? Pas tomber où? Bah, pas tomber en bas, Fifi. C'est ça qu'elle veut dire. Hein. Donc, sinon, Pas si je tomber en tombe. bas et pas tomber à ça, pas tomber sur notre tour. Si je tombe. Les clés de la voiture sont dans ma poche gauche. Au cas où. Donc, ça donne bien? Ouais, je te Tu montre après. les as vus? Oui, tu m'en prends après. Voilà l'araignée qui arrive. La reine égyptie. C'est marqué sur ta casquette, l'araignée. Non. C'est pour Los Angeles, hein, c'est l'araignée. Là, on va aller.
Oh punaise, ah oui, ah ben oui, ça c'est de la photo. Hein. Les photographes du web vont être jaloux. Hein. Voilà, comme un vieil ermite. C'est ta maison ici maintenant? Hein? C'est ta maison maintenant ici? C'est ma maison, ma chère Alexandra. On est monté jusqu'ici pour te montrer ma nouvelle maison. Ouais. En fait, c'est une grotte. Hein. Ouais. Parce que papy, c'est un vieil ermite. Donc il se retire dans les bois comme un agapi. Et puis, bah, tu vas te démerder, j'ai les clés de ma bagnole qui est en bas là, 5 km plus bas. Tu vas prendre les clés, tu vas rentrer toute seule. Et puis c'est tout, hein. Voilà. C'était mon cadeau du jour, t'as ma bagnole. Moi je me coupe du monde, ce monde est trop con. Le monde des confinés. Confinés, oui. Hein? Confinés, ouais. Des confinés, mais des cons. Confinés. In fine. In fine, ils sont complètement cons. C'est encore plus con qu'avant. Voilà. Donc, bah, je suis tranquille, je suis ici, je suis dans les bois. Je vais mettre mon matelas par terre. Tu vas aboyer dès qu'il y a un cas qui met des papiers par terre. Ah oui, t'as vu ça là? Ok, encore un bout de papier là. Ben oui, on est allé sur un site. Alors ici, il faut savoir que c'est un site classé. Ben, y a des cons qui ont été faire du feu et ils nous foutent des canettes de soda à la con là. Oui, il y a des bouts de papier. Qui crèvent partout. Avec tout leur sucre qu'il y a dans leur putain de soda de merde. Voilà, l'anarchiste qu'il avait à vous dire. Au revoir.